Et salut à tous, c'est Pipou, on se retrouve donc sur la chaîne pour la suite de Shin Megami Tensei. Alors on reprend là où on s'est arrêté, donc on est au niveau du Temple de l'Éternité, on avait vaincu là les différents dieux, récupéré les clés donc qui me permettaient de rentrer dans la zone, et on va découvrir du coup ce nouvel endroit. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? J'ai jamais fait cet endroit. Alors, ok. Est-ce qu'il y a des nouveaux démons? Combien j'ai de place en fait? 14 sur 18, 4 phases de dégâts. Qu'est-ce que c'est ça? Niveau 74. Ben, c'est parfait! Quel genre de poème réciter? Allez, ça me coûte moi. Allez, 21 000. Oui, allez, ça va, c'est bon. Niveau 74, pas mal. Bon, peut-être je m'en servirai pas, mais... Servira toujours... Oh, 472, pas mal déjà. Servira peut-être pour fusionner avec d'autres. Peut-être aura accès à de nouveaux démons que j'avais pas accès avant. Alors, avoir des techniques un peu pas mal en tout cas. Alors, ce que ça donne déjà aussi en termes d'attaque. Non mais tu vas clamser de toute façon, fille. 10 000. 10 000, 10 000. Ok. Il n'y a pas un coffre, il n'y a rien. Il n'y a rien à se mettre sous la dent, hein. Bon bref, là-haut il y a un passage. Est-ce que tous les chemins mènent à Rome ou pas? C'est quoi ça? C'est quoi ces cristaux là? C'est beau. Il va falloir arriver en courant. Par contre, ils ont l'air un peu résistants quand même. Hein, bon, les mecs derrière, ça va. Ah, ça va. Je trouvais un peu plus long le combat quand ils étaient deux. Je sais combien de faire. Ah, c'est bon, mettez un coffre, merde. Mettez un truc. Labyrinthe qui n'en est pas un. Alors. Ah, j'aimerais bien quand même essayer de visiter toute la zone. Ah, ça y est. Un coffre. Miracle. Ah putain, d'accord, ok. Ah, l'essence d'Andramélec, quoi, j'ai déjà, mais bon. J'avais pas l'essence, mais bon, ouais, j'ai déjà le démon, ouais. Allez, sûrement la pleine lune, là. Bah, je sens pas trop, là, tu vois, les genres de couloirs un peu comme ça, là. Non, ça va. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est ça, bah ça c'est Andramélec, quoi. Là-bas c'est un Andramélec, ça. Niveau 72, Andramélec, non? 71, 67, plus mauvais encore. Alors. Je pense que dans les zones comme ça, on ne trouvera pas de petites têtes rouges là. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi se fait ça? Putain, ça a arrêté le temps! Mais je comprends pas trop le système là.
Il faut quoi? Il faut à tout prix passer une porte ou pas? Est-ce que ça s'arrête au bout d'un moment ou c'est il faut que j'arrive à un endroit précis pour que ça s'arrête? Ah d'accord, ok, il y a des portes comme ça. D'accord. Sans ces portes, sinon je peux pas avancer. Ok, donc là du coup. Ah mais putain, on tourne en rond là. Donc là, il faut obligatoirement que j'arrive à des portes comme ça. Ok. Et le but du jeu, c'est d'arriver où là? Je comprends pas. Elle est où la sortie? Ah là-bas! Ouais, calme-toi, toi. Elle a survécu quand même! Et a survécu une tour. Ouais, d'accord, ok, je compris, ouais. Alors, récupération. Alors, ici. Il y a trois coffres en bas, j'ai quand même envie de les récupérer. Ils sont beaux avec leurs trucs sur la tête là. Ouh, ils sont quatre. Ah putain, j'ai oublié d'appuyer sur carré, merde. Ah, c'est moi qui prends la tag, merde. Non, non, mais je veux pas te payer 32 000 pour que tu me laisses partir. Malade ou quoi? Taré, ouais. C'est toi qui vas me supplier de te laisser en vie, ouais. Oh, elle est pas morte en plus. Bon, bon. Allez, attaque normale, c'est bien. Voilà. J'allais quand même me supplier pour que je la laisse partir. J'aime de sommeil plein, j'aime de saut plein. Et le dernier objet, plus d'attraction. Ok. Essence de Kali, Grimoire x2. Alors, là on est tout bon. Ouais, dégage. Ouais, récupère un peu les points de vie, les machins. Parfait. Là on va revenir du coup là-bas. Là où il y avait tout le monde. Ah non, c'est une nouvelle zone. D'accord. On peut descendre, on peut remonter. C'est le labyrinthe, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tac, 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 tac. Donc là, on revient, ok.
Là, je peux aller là. Ici, là. C'est dommage qu'il n'y ait pas des cristaux à péter ou des machins comme ça, tu vois, pour passer. En bas, ouais, par curiosité, peut-être plutôt aller en bas. Je pense que la suite du niveau, elle doit se trouver tout en haut. Calme-toi, toi. Ah, pas sûr. Pas sûr au global. Bon, bref, de toute façon, on avance. Ah, allez, porte de temps. Alors, non, d'abord, ça doit être par là-bas. Taper sur le mauvais type, c'est ça? Il bouge pas des masses, hein, il te suit pas trop. Hein. Non, j'avais dû taper sur le mauvais type. Ouais. Ah, de toute façon, ça va, comme je charge assez vite ma jauge. 3 tours à les charger, donc ouais, tu vois, je suis déjà presque au tiers déjà. Il y a que des démons qu'on a déjà, c'est chiant. Mais je t'ai déjà. T'en fous toi, je t'ai déjà. Bah ouais, je l'ai déjà dans l'équipe. Et il est en bas. Niveau 74, mien. Je m'en fous du coup du sien. Deuxième strat, deuxième étage. Alors, récupération. Nickel, oh putain, c'est un paquet à vouloir me parler. Hein. Alors, sauvegarder. Donc, on sera obligé de tout refaire au cas où. En cas de mort prématurée. Moi je l'ai perdu l'autre. Ok. Par là ouais. J'ai l'impression qu'il faut peut-être aller plus vers celle qui est là-bas. Celle-là, peut-être. Ah, les autres sont bloqués par des murs. Ah, ça va, tu vois, il y a un mur juste là. Et celle de là-bas, c'est pareil, là. Alors... tac tac tac, si je descends là, j'arrive sur la partie haute, ce qui me permet du coup, donc là c'est bloqué, donc il faut que je fasse le tour par là-bas.
Putain, comme je suis descendu, je peux plus appuyer sur l'attaque. Chier. Tu résistes un peu, hein? Ah, maintenant c'est elle qui veut parler avec moi. Ok, qu'est-ce qu'on a par là? Là-bas, fermé. Patrick court, tranquille, moi j'arrive pas derrière. Petit coup dans le dos. Elles sont vraiment résistantes, hein? Mais arrête un peu, tu vas mourir. Oh. Allez, soigner. Putain, faut accepter de mourir des fois, merde. Voilà, là on peut remonter, donc ça va. Ok, donc là on est tout bon. Là, il n'y a plus rien à récupérer, on peut faire demi-tour. Bon, là, je la trouve pas dingue, cette zone, pour l'instant. Bâche pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'interrupteur particulier, pas de mécanisme, c'est genre de labyrinthe, mais sans vraiment en être un, quoi. C'est pas compliqué, tu cours, bon... C'est pas fou, quoi. Te perds pas trop, quoi, c'est moi qui prends du temps pour... vraiment profiter de visiter la zone, quoi, on va dire, mais en soi, il n'y a rien de dingue, quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Que dalle. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, lui, je l'ai déjà. Niveau 77, lui, non? 75. Mmh. Ouais, Ongyoki là, en bas, là. Je l'ai déjà lui. Ah! Mais il n'y avait pas plusieurs qui étaient apparus! Je comprends pas. Ah merde! Donc il faut y arriver par derrière quoi. Donc là il faut que je trouve la porte. La fameuse porte du temps, elle est où celle-là? Non, non plus. Non plus. Non plus, fermé, pas de porte du temps, nope, 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 par là peut-être, par là, pas une porte du temps ça, donc ça c'est la fin de la zone. Alors on a dit que c'était en bas. Donc il faut viser les portes du temps en réalité. Say,
Avant de saisir le trône, j'aimerais parler du monde que vous allez créer. Alors, après m'être éveillé une déesse, j'aurais dû perdre mon ancienne identité. Elle ne sert pas à mon devoir divin. Celle que vous connaissez, probablement grâce à tout ce temps passé avec vous et Yoko, voyager ensemble en date, m'a aidé à devenir plus forte. Je veux sauver ce qui souffre en ce monde et je pense connaître la source de toute cette souffrance. C'est ainsi que le Créateur a conçu le monde. Nous voulons créer un monde, notre propre monde, un monde parfait où personne n'est condamné à souffrir. Un monde où tous les rêves de l'humanité peuvent devenir réalité, je sais que nous le pouvons. Ça ne sera pas facile. Vous devez observer le peuple et le guider pendant très longtemps, mais ça en vaut la peine, n'est-ce pas? Je m'occuperai de ce monde à vos côtés si vous le désirez. Désirez-vous m'aider à réaliser cette vision? Faisons-nous tout notre possible pour faire de notre monde idéal une réalité. Ok. Bah, on n'aura pas eu tant de démons intéressants à se mettre sous la dent. Hein. Oh, lui, qu'il est beau! Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, il est stylé! Alors. Niveau 77. Ben, à mon niveau! J'ai entendu parler de toi. Ah! Putain, il est parti, merde! Qu'est-ce qu'il veut? C'est malade, ce mec! J'ai à peine commencé à y parler, d'un coup, il est arrivé. Tu as cramé, il m'a dit. Allez, parlez, approche. Reste calme. Tu ne me crains pas, même pas rêve. Approche donc, prends un ticket, je tente ma chance. Ah, j'ai gagné. Et alors là, c'est cadeau, ça m'a rien coûté. C'est gratuit. Allez, niveau 78, pas mal. Tir de Yabusame, explosion glaciale. Je peux pas voir les techniques. Attaque faible sur tous les ennemis, ouais, bof. Attaque moyenne, ouais, bon, pour un démon niveau 78, je m'attends au moins à lourd ou sévère. Attaque sévère de choc, ouais, bon, ça à la limite, oui, pourquoi pas. Considérablement les attaques des dégâts physiques, ok. Attaque sévère physique sur un ennemi. Ouais, ça va, à part un peu les deux premiers qui sont pas extraordinaires. En plus, c'est sur des ennemis aléatoires. C'est chiant, quoi. Allez, par là-bas. Et là-bas, il y a le collègue, on va le laisser tranquille. Ah. Bon, bah du coup, on va te ruiner. Hein. Je suis désolé, hein, mais... Oh, il est résistant, hein. Tiens, tu as résisté à ça? C'est bon. Résistant. J'irai plutôt par là. Là-bas, il y a un mur, donc je peux pas passer. C'est bien ça, il y a un mur, là. Ouais, là, je reviens en arrière. Là-bas, il y a un coffre. Oh, l'essence d'Odin, cool. Ça, du coup, c'est un dieu, donc c'est pas mal. Ouais, tu fais le tour, mais ça sert à rien de faire le tour à chaque fois.
Je le fais pour la forme, hein. Ça peut pile sur le mec qui craint pas le feu, ça meurt, hein. Heureusement qu'ils sont pas très intelligents, les amis. Ouais, heureusement qu'ils tapent pas sur les piles les bonnes, tu vois. Ça m'arrange. Ouais. C'est long pour gagner niveau. C'est très long pour gagner niveau. Y'a rien là. Ouais, y'a ça à récupérer. Là-haut, y'a que dalle. Pas un objet, y'a rien. Pas intéressant. Pas un coffre. Pas un immense. Que dalle. Ouais, y'a pas intérêt à tomber. Je peux pas tout refaire en. Tout refaire une marche arrière. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va passer par là. Au final, j'ai jamais affronté lui, hein. Ouais, mais esquivez le bâtard. Mais laisse-moi tranquille. Mais si tu veux. Oh. Ça te fait plaisir. Tiens, ces mecs, qui croient qu'ils vont m'arnaquer en 2 secondes. En plus, j'ai combien de tricam 22 000 et quelques. Tombé, garçon. Merde. C'est pas par là. Je me suis gouré. Je vais faire marche arrière. C'est une blague? Oh, allez, vas-y, prends-les, laisse-moi tranquille au moins, allez. Oui, c'est bon. Quoi? Ah bah, après tout ce que je t'ai filé... Après tout ce que je t'ai filé, tu m'étonnes. Voilà. De toute façon, vu on arrive un peu dans l'aventure... Je pense que c'est plus trop le moment de conserver de l'argent, hein, je te le dis. Y'a que dalle, hein. Comme d'hab. Ouais, c'est labyrinthe. Y'a rien d'extraordinaire, c'est que des labyrinthes. Oh, qu'ils sont beaux, hein. Sauvegarder. Oh, ils sont beaux, ils sont de flammes. Et les mecs en flammes. Ouh, ça brûle. Oh, ils sont stylés. Qu'est-ce que c'est, ces trucs-là? Ah, mais là, il y a la nuit noire, donc je pense pouvoir la récupérer. Non. Allez, pendant la lune, ça sert à rien. Néfaste, niveau 76. Ma merde! Il est parti! Et ils sont tous là à te réclamer du pognon, je me suis dit peut-être que lui aussi voulait de l'argent. Oh. Oh bah, milieu. Ouais, vas-y. Ça, c'est pas gênant. Ça, c'est des fragments, donc je m'en fous tant que c'est pas trop des gemmes. 19 000. Ouais, vas-y, prends-les, s'il te plaît. Bon, tu m'as pas coûté trop cher, négo. Il a pas l'air, lui, non plus, d'avoir des techniques de dingue, hein.
Il y a des portes avec du temps là ou pas? Allez. Ça dégage. Oh, soigné. Merci. On va aller au repère. Allez. Oh. Mission 8000 à vouloir en parler comme d'hab, allez. Allez, il est content, il est ravi. Ah, lui il est heureux aussi. Ah, ça par contre ça m'intéresse un peu plus. Bref, il n'a pas trouvé mieux comme place que ce tout en haut. Et elle est où la meuf là? Là ou pas? Il n'y a pas la meuf là qui avait envie de nous parler aussi hein? Bizarre. De toute façon, ça se voit s'il y a des objets. Avec que dalle. Là-bas, il n'y a rien. On voit que c'est fermé sur la carte. Donc, c'est par là-bas. Là, c'est fermé. Donc, c'est par en haut. J'ai failli le rater, ouais. J'ai failli le rater. Encore vous ? Ah, il y a un qui a survécu, t'as. Alors, c'est un cul-de-sac, ça ? C'est un cul-de-sac. Ah non, c'est pas un cul-de-sac. Je pensais que ça en était un, toi. Là-bas, c'est un cul-de-sac. Okay.
Un carburant. Alors. Ils sont nombreux pour protéger un trésor. Ils sont bien nombreux pour protéger un trésor. Ah, il s'est soigné le bâtard. Oh, je paye comme ça avec elle. Avec la petite, ouais. C'est une blague pour un point de vie, là. Oh. Allez, soigner. En face. Il m'a tué un mec, lui, t'es. Pas content. Alors. Je fais le monde des ombres. Welcomed. Alors, montre un peu le... L'apothéose, j'ai de quoi augmenter les trucs ou pas? Non, 27, je vais pas aller loin. Ok, fusion de démon. Fusion SP. Elle, j'ai créé. Il y a des mecs niveau 82, 84, 95, il a l'air beau. Il a l'air beau. Mm-hmm. Messager. C'est quoi ça? Messager. Ah, ça doit être les séraphins, ça. Les trois, là. Ok. Fusion inversée. Niveau 81. Al. Lat. Ah, je suis niveau 77. Je peux pas le créer. Si Michi, je peux, mais bon, il faut que je supprime Amano Zako. C'est un peu chier, quoi. Niveau 77 également, mais... Est-ce qu'elle est stylée, au moins? Elle a combien? 76, vitalité 54, force 33. Elle serait peut-être mieux de base, j'ai l'impression. Dégâts d'absolu. Annule les dégâts de lumière, c'est déjà le cas. Attaque lourde, machin. Ça, c'est sur un ennemi. Non, attends. Lumière. Choc. Poudre. En soi, elle a des meilleures stats, hein. Is this demon? Elle a quand même des meilleures stats. Après l'autre, on peut toujours la créer derrière, hein. On peut toujours la recréer, quoi, je veux dire.
Return. Bon, on arrive au bout de quelque chose là ou pas? Je suis regardé, je sais plus. Ouais, je vais sauvegarder, bref, c'est pas grave. Ah, mais si je passe à côté... Je pourrais pas récupérer les coffres. Ah merde, je me suis gouré de... Je me suis gouré de pièces. J'ai été clément, je t'ai laissé partir. Alors, groupe. Ah, c'est plus pour les objets, un peu des objets intéressants. Putain, c'est là-haut, je vois l'escalier. Ah merde! Si je passe par là, je suis niqué. Ok, donc là, si je passe par là, je suis niqué. Donc là, il faut que je passe par là. Là, il faut que je passe... Il y a des chances qu'il faille que je passe par là. Pas sûr. Là, il faut pas que je passe par là. Et là, on est bon. Ah ben voilà, on va tomber sur les prochains boss. Bon, ben du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Ah, je suis à 40 et quelques minutes. Ah bon, on verra un peu là après ben, ce qui se passe donc au niveau de la fin du Temple de l'Éternité. J'ai peut-être en profiter, moi, peut-être un peu de mon côté, tout ça, pour essayer voilà, de alors, pas de me refaire tout le dédale, parce que franchement, genre, c'est chiant, il se passe rien. C'est inintéressant au possible. Les portes de temps là qui te figent les. Qui figent le temps et tout ça. Rien d'extraordinaire, c'est pas dingue, je trouve. Il n'y a pas genre de mécanisme, de trucs, de renversement, de trucs un peu intéressants ou quoi.
franchement, c'est pas fou. Tu regardes juste ces trucs, tu dis, ah non, là, il faut pas que je passe. Là, il faut que je suive le truc, tu vois. C'est même en courant, sans t'arrêter, tu arrives presque jusqu'au bout. Je dirais, pas besoin non plus de sortir de Saint-Cyr pour y arriver. Donc, franchement, je trouve pas ça dingue. C'est un peu dommage. Et voilà. J'ai peut-être retourné peut-être un peu en arrière là, dans les salles précédentes. Il y a pas mal un peu d'ennemis, de trucs comme ça, sachant que j'ai un point de safe là pour au cas où si besoin. Je vais essayer de passer peut-être un ou deux niveaux, sachant qu'actuellement là je suis niveau 77, quasiment 78 je pense. Ouais, il me reste 16 000, donc allez, peut-être encore un combat, je gagne un niveau, si je peux arriver à choper deux niveaux, 78, ouais, c'est long, mais bon. À voir si j'arrive à choper peut-être le niveau 80, ça pourrait être pas trop mal. Ça me permettra derrière, en même temps, de pouvoir utiliser des grimoires, ce qu'on va déjà faire, au moins ça sera fait. Voilà, pour essayer de mettre à niveau, j'avais 27, vous voyez. De mettre à niveau derrière les retardataires. Voilà. Au moins ils sont tous 77. Voilà, ben, du coup, on va s'arrêter là. Comme je disais, ben, je vous dis à la prochaine pour la suite de l'aventure. On découvrira ben, la fin, je pense, de la zone là, le temple de l'éternité. Et du coup, ensuite, on attaquera ben, une partie de l'Empyrée. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. La dernière zone après du jeu. Voilà, ben, sur ce, ciao, ciao!